trance. Mesdames et messieurs, voici vos finalistes 200 mètres 4 nages chez les messieurs dans le corridor numéro 0 de Pointe-Claire, Danielle Jensen. Lane number 1 from the Oakville Aquatic Club, Mac Dura. Dans le corridor numéro 2 de Pointe-Claire, Tim Roos. Lane number 3 from the UBC Dolphins, Jordan Hartney. Dans le corridor numéro 4 ayant réalisé la meilleure performance ce matin de Pointe-Claire, Liam Diaz. Corridor numéro 5 représentant la France, Ganesh Pédurant. Lane number 6 representing the Saskatoon Goldfins, Patrick Cowan. Lane number 7 from the London Aquatic Club, Matthew Quatra. Dans le corridor numéro 8 de Pointe-Claire, Stephen Bilby. And rounding out your A final in the lane number 9, representing the Edmonton Keanu Swim Club, Coleman Allen. A final, Mr. Referee. Men's A final in the water. Some loud cheers from down here on deck. That's because in lane 0, 2, 4, and 8, there are Pointe-Claire swimmers in the pool. But that's not to overlook the other challengers taking part. Mr. Jordan Hartney in lane number 3. Mr. Ganesh Bedaran from France in 5. Donc plusieurs nageurs de Pointe-Claire dans cette finale dans le couloir 0, 2, 4 et 8. Prenant les devants dans le corridor numéro 9 après le premier 50 mètres, Coleman Allen dans le corridor extérieur numéro 9, Liam Diaz qui suit, et la troisième position occupée par Tim Roos. So the question yet to be answered in this heat is, can we crown a Pointe-Claire national champion tonight? Swimmers having something to say about that certainly include lane number 9, opening it up at the first 50, Coleman Allen, but we'll see the split here at the 100 meter mark. It is still Coleman Allen in lane number 9. He's followed closely, though, in lane number 7 by Matthew Quatra. Et voici messieurs qui s'élance pour la brasse en première position après la moitié de la course de complétée. Coleman Allen toujours en première position. Matthew Quatra qui suit. Et en troisième position, Tim Roos, meilleure performance ce matin, 2.04.31. Liam Diaz, meilleure performance cette année au Canada, 2.01.27, réalisé par Andrew Ford lors des essais des championnats du monde. We'll get your 150 split and leader, Liam Diaz, in the lane at number 4, 1:33.55 from the Pointe-Claire Swim Club. En avance avec moins de 50 mètres à compléter, Liam Diaz dans le corridor numéro 4 qui se bat contre Ganesh Pédurant de la France, alors qu'il reste bientôt seulement 15 mètres à compléter et n'ayant pas dit son dernier mot dans le corridor numéro 3, Jordan Hartney, 12.5 mètres à faire ici, mesdames et messieurs. And touching first in lane number 3, Mr. Jordan Hartney, blowing right by the field there with a time of 2:03.04 to be your Canadian national champion in the men's 200 IM. Et mesdames et messieurs, Jordan Hartney qui nous a offert tout un dernier 50 mètres pour terminer en première position de ce 4 nages, 2:03.04, deuxième position, 2:03.48 pour Liam Diaz. Et finalement, troisième position, c'est Ganesh Pédurant de la France qui a inscrit un chrono de 2:03.73. Silver medalist Liam Diaz from the Pointe-Claire Swim Club, 2:03.48. And Ganesh Pédurant in lane number 3 from France, your bronze medalist. Results on the board are, of course, official, and we'll have a chat with Jordan Hartney as he hops out of the pool here in lane number 3. Jordan, a fantastic closing 50 in the freestyle there. You blew by the field. Were you having a look on the way by? A little bit. I mean, coming back, I have the 400 IM training, so
It's nice when you have a little bit of energy at the end, and I've done a lot of freestyle work this year, so I was pretty confident I could take it. Absolutely. It was fantastic, Jordan. Congratulations. Men's 200 individual medley. Canadian national champion to go along with your 400. Congratulations.